Colonel Yassine Boumrah, bonjour. Bonjour. Alors, lutte contre la drogue, une étude a été réalisée par la Gendarmerie nationale entre la période 2010-2020, donc sur 10 ans, a permis de démontrer la hausse vertigineuse de la production marocaine de cannabis ou de hashish. Donc, sur les 10 ans, plus de 1000 tonnes de saisies ont été opérées en Algérie, une situation qui présente un danger pour le pays. Colonel Yassine Boumrah, inonder l'Algérie de cannabis. Effectivement, durant les 10 dernières années, là, on a saisi les unités de l'armée nationale populaire ainsi que les différents services de sécurité ont saisi une quantité astronomique de résine de cannabis, qu'on appelle le hashish, une quantité estimée à plus de 1000 tonnes. Je parle de tonnes, pas de quinto, pas de kilogrammes. Donc c'est une quantité vraiment astronomique de résine de cannabis. Si on fait une petite lecture durant les 10 dernières années, on remarque qu'il y a trois différents domaines. Le premier domaine, 2010-2013, on a constaté une évolution ascendante, donc une évolution haussière des quantités saisies, donc avec un pic en 2013 de plus de 211 tonnes de résine de cannabis. Ensuite, on a remarqué une évolution descendante, donc une évolution baissière, 2013-2018. Mais les deux dernières années, 2019-2020, on a constaté encore une deuxième évolution ascendante pour arriver à plus de 77 tonnes en 2020. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une volonté indirecte d'inonder l'Algérie de cannabis et ce qui représente aujourd'hui un véritable danger pour la sécurité nationale? Pour vous répondre à cette question, je dois d'abord me baser sur les différents rapports mondiaux sur la drogue édités par l'organe onusien chargé de la lutte contre la drogue, à savoir l'ONUDC. Donc, les trois enquêtes réalisé par l'ONUDC justement à propos de la culture du cannabis au Maroc ont été effectuées en 2003, 2004 et 2005. Si je regarde à peu près les résultats de ces enquêtes-là, on remarque qu'en 2003, il y avait à peu près 134 000 hectares de cannabis, de terres cultivées en cannabis au Maroc. En 2004, 120 500 hectares et en 2005, 62 500 hectares. Avec une production potentielle en 2005 de 1066 tonnes de hashish, ce qui est énorme. Mais la hausse de la superficie de production du hashish ou du cannabis au Maroc, est-ce que ça le fait passer du statut de pays de production à un pays de production industrielle, puisqu'on parle aujourd'hui de production industrielle? Madame Souhil El Hachmi, le Maroc a été toujours un pays de production industrielle. 1066 tonnes de résine de cannabis, ce n'est pas une production simple. Ce n'est pas une production de détail. Donc c'est une production industrielle. En plus de ça, à partir de 2010, le hashish marocain s'est transformé. Donc la culture du cannabis au Maroc a eu beaucoup de transformations. On a vu son industrie se transformer par l'introduction massive de variétés hybrides, ce qu'on appelle des variétés hybrides, des variétés à haut rendement, ce qui a permis justement d'augmenter la production, mais pas seulement ça, d'augmenter la production et d'augmenter la puissance du hashish. Mais quand vous parlez de cette nouvelle variété d'hybride, et le danger réside à ce niveau-là, le risque sanitaire du nouveau hashish marocain? Exactement, il est énorme. Le nouveau hashish marocain, ce qu'on appelle le hashish hybride, présente des taux en principe actif, ce qu'on appelle le tétrahydrocannabinol, en abréviation THC, élevé, par rapport au hashish classique, hashish traditionnel du Maroc. Donc, si dans les années 2010, on avait un hashish marocain avec un pourcentage en THC avoisinant les 1%, donc une faible dose de principe actif, en 2020, on a eu du hashish avec des pourcentages de plus de 20%. Et je vous dis une autre information, le record en Algérie, en principe actif en hashish moderne, est signalé en 2020 avec une saisie de hashish avec un pourcentage de THC avoisinant les 50%, ce qui est vraiment énorme. À titre de comparaison, le record en France
est de 39%. Ça vous donne une idée à peu près du hashish en circulation actuellement en Algérie. Mais son danger demeure dans sa forte dépendance par rapport à ce produit. Exactement ça. Exactement ça. Donc, le hashish moderne a un pouvoir addictogène plus élevé, justement, par rapport au hashish classique. Donc, la dépendance à ce type de hashish-là est plus forte que hashish classique. C'est ça le souci de ce hashish moderne, essentiellement. Mais c'est volontaire? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là, car le hashish moderne, justement, ce n'est pas un hashish qui est destiné à être une drogue douce. C'est un hashish qui est aussi comparable que les drogues dures, à savoir la cocaïne ou l'héroïne. Et c'est à vous de tirer les conclusions qui s'imposent. Alors aujourd'hui, quand on parle bien sûr de cette volonté d'inonder l'Algérie par ce produit, est-ce que nous avons les moyens nécessaires de lutter contre ce type de trafic de drogue à nos frontières, notamment la frontière ouest? Est-ce qu'on peut considérer que le dispositif il est beaucoup plus renforcé au niveau de cette frontière par rapport aux autres? Ou alors c'est une lutte à travers tout le territoire national parce que les trafiquants, les narcotrafiquants arrivent à faire quand même passer ce produit à travers tout le pays? Donc, exactement, la lutte contre le trafic du cannabis, c'est une lutte continuelle. Donc, ces dernières années, on a vu le renforcement justement du rideau de la lutte à nos frontières par rapport justement à l'acheminement du hashish marocain vers notre territoire. Pour vous dire, les moyens disponibles sont renforcés. À titre d'exemple, tous les moyens techniques et scientifiques ont été mis à la disposition des unités de l'armée nationale populaire, des unités et des unités des différents services de sécurité, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale et les douanes algériennes, pour lutter efficacement et sans merci contre les bandes spécialisées dans l'acheminement de ce toxicant vers notre territoire, mais aussi de sa distribution à petite et à moyenne échelle dans les différents coins du territoire national. Mais on parle de plusieurs variétés de cannabis utilisées au Maroc avec une production de massif de hashish aujourd'hui puissant. Est-ce que ces variétés ont évolué entre spécialement la période de 2010 et 2020 où l'étude a été élaborée par la gendarmerie nationale, colonel Boumrah? Exactement, les variétés de cannabis, les variétés ont fortement évolué. Pour vous donner justement ces changements-là, je vais m'inspirer un petit peu de l'étude réalisée exactement au niveau du commandement de la gendarmerie nationale. Sur les échantillons prélevés, 30 000. 30 000 échantillons, c'est sur une période de 10 ans, 2010-2020, où toutes les saisies opérées par les différents services de sécurité au niveau des territoires nationaux ont été analysées d'un point de vue physique, ce qu'on appelle le profilage physique, et d'un point de vue chimique, ce qu'on appelle le profilage chimique. Donc, le point de vue physique, le profilage chimique, ça nous donne tout simplement l'idée sur la forme, la couleur, l'emballage, les logos, les inscriptions qu'on retrouve dans les différentes saisies. Et le profilage chimique, ça nous donne une idée. Il y a deux types de profilage chimique. L'analyse élémentaire, ce qui nous donne une idée sur la nature, sur la terre cultivée, où est cultivé le hashish, mais aussi la composition organique qui nous donne une idée sur la plante de cannabis, mais aussi sur les modes de fabrication du hashish. Donc l'étude a duré 10 années. Elle a permis tout simplement d'établir un état des lieux du hashish marocain, mais aussi de comprendre toutes les modifications, les changements opérés dans l'industrie marocaine du hashish. Concernant les variétés, je vais m'inspirer justement des résultats de cette étude-là. On a conclu que la première fois que le hashish puissant a fait son apparition en Algérie, c'était en 2012, où on a constaté que 1% de l'ensemble des saisies opérées au niveau national concernait ce type de hashish puissant. Puis, ce taux-là a évolué pour atteindre 6% en 2016, 7% en 2018 et plus de 50% en 2019-2020. Actuellement, justement, plus de la moitié du hashish saisi au niveau national concerne ce hashish puissant, ce hashish dangereux. Pour les variétés, je dirais que en 2012,
à partir du début de l'année 2010, d'autres variétés, ce qu'on appelle des variétés hybrides, ont été utilisées au Maroc à grande échelle. C'est des variétés qu'on appelle des variétés à haut rendement, importées de l'étranger bien sûr, et utilisées à large échelle au Maroc actuellement. Alors vous avez cette déclaration du ministre de la Justice qui déclare que l'Algérie est située près du plus grand laboratoire de production et d'exportation de cannabis, partant bien sûr de l'étude que vous avez élaborée, puisque c'est vous-même qui l'avez engagée, cette étude. Vous avez parlé un peu de substances existantes et à partir des échantillons de 30 000 produits, on parle de transformation du hashish et de brin. Quelles sont les substances qui sont contenues qui présentent aujourd'hui un véritable risque sanitaire? Parce que il faut informer notre jeunesse qu'il y a un véritable danger aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour cette question, justement. C'est une question un petit peu technique. Mais essayez de l'expliquer. Oui, je vais essayer de l'expliquer. Donc, le hashish, c'est quoi? Le hashish, c'est un produit, de la plante de cannabis. C'est un dérivé de la plante de cannabis. Ce qu'on appelle résine de cannabis, ou dans le langage de rue, shiraz, tla, etc., etc. Dans le hashish, on retrouve ce qu'on appelle des substances caractéristiques du cannabis appelées cannabinoïdes. Voilà, on retrouve ce qu'on appelle des cannabinoïdes majeurs et des cannabinoïdes mineurs. Pour les cannabinoïdes majeurs, il en existe trois. Le tétrahydrocannabinol, ce qu'on appelle le THC, qui est la substance responsable de l'effet psychoactif justement du hashish. Mais on retrouve aussi un autre principe actif qui s'appelle le cannabidiol, CBD, et un troisième qui s'appelle le cannabinol CBN. Le cannabinol n'a pas d'effet psychoactif, donc on va pas en parler, mais on va parler des deux autres, le THC et le CBD, tétrahydrocannabinol et cannabidiol. Le tétrahydrocannabinol, comme je viens de le dire, est la substance responsable justement de l'effet psychoactif, de l'effet addictif justement du hashish. Contrairement justement au THC, le CBD, le cannabidiol, il contrecarre l'effet psychoactif du THC. Donc c'est une bonne substance, donc elle contrecarre, elle a un effet inhibiteur. Le souci, c'est que dans le nouveau hashish marocain, on retrouve beaucoup plus de THC et beaucoup moins de CBD, et beaucoup moins de la substance qui contrecarre justement l'effet, d'où justement la dangerosité de ce hashish marocain nouvelle génération. Mais quand on parle de la forte dépendance, quels sont les effets psychoactifs qu'il produit sur le consommateur, par exemple? Je vais vous répondre sur ça en disant que le hashish nouvelle génération présente une forte dépendance. Donc, tout simplement, il a des répercussions directes sur le consommateur, des troubles. Ça crée des troubles sur le consommateur, essentiellement quand celui-ci est confronté à ce type de toxique dès le jeune âge. Dès le jeune âge, ce qui va tout simplement créer des répercussions chroniques, mais aussi ponctuelles. Alors, colonel Yassine Boumar, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ce hashish ou cannabis hybride. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est beaucoup plus nocif que ce qu'on avait connu à un moment donné en termes de psychotropes? On parlait de salour, on parlait de chépana, on parlait des autres produits. Est-ce que, avec bien sûr ces quantités saisies, avec ce cannabis aujourd'hui ou ce hashish hybride, est-ce que le Maroc devient le premier producteur de drogue à travers le monde? Incontestablement, madame Souhil El Hachmi, le Maroc est le premier producteur de hashish au monde. C'est incontestablement une vérité que l'ONUDC, ce qu'on appelle l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, mais aussi l'OICS, l'Organe international de contrôle des stupéfiants, qui le dit dans leurs différents rapports mondiaux contre la drogue. Concernant le hashish, justement le hashish moderne, le hashish hybride, bien sûr qu'il est beaucoup plus dangereux que les médicaments que vous avez cités. C'est des médicaments qu'on appelle des médicaments détournés à des fins de toxicomanie, comme le Saror. Saror, c'est un médicament, c'est la pregabaline. Donc, c'est tout simplement un médicament qui est détourné à des fins de toxicomanie. Le souci dans le hashish moderne, hybride, c'est qu'on ne connaît pas sa dose. Alors que dans les médicaments, la dose, elle est connue. C'est ça la vraie différence, quoi. Mais le Maroc, en changeant bien sûr la composition de ce hashish, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il a changé complètement de stratégie? C'est ça sa volonté? C'est une forte addiction et dépendance à ce produit?
Donc un hashish hybride, un hashish puissant, ça se vend mieux, c'est simple. Il y a une forte addiction à ce hashish-là, donc la demande sera plus élevée. Alors, oui. C'est simple, c'est ça le but d'un hashish puissant. Alors ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que pratiquement depuis 2010 à 2020, puisque l'étude a été engagée sur toute cette période, elle a démontré qu'il y a eu plus de 1000 tonnes de saisies de ce type de hashish hybride en Algérie. Certains considèrent que par rapport aux quantités qui sont saisies, ça ne représente que 5% du volume global des produits qui ont été introduits. C'est-à-dire on ne saisit que 5%, le reste est introduit sur le marché de consommation. Ça s'appelle le chiffre noir, donc c'est, au niveau international, ce n'est pas justement en Algérie. C'est l'ONU qui donne ces chiffres et ces indicateurs. Moi, je dirais pas 5%, peut-être 20, 25% à 30% du vrai chiffre. C'est des données internationales qui ne concernent pas seulement l'Algérie. Mais une autre donnée peut-être importante, c'est qu'en 2005, le chiffre donné par l'ONUDC concernant la fabrication annuelle du Maroc concernant la hashish de cannabis est de 1066 tonnes. Donc c'est vraiment une très très grande quantité. Alors, à un moment donné, on parlait un peu, bien sûr, de ces produits qui étaient déversés en Algérie. On considérait que l'Algérie était un pays de transit qui permettait d'acheminer, avec bien sûr la complicité des trafiquants, ce produit vers les pays européens. Par exemple, vous avez, on parle énormément de la France, de l'Espagne, du sud de l'Italie. Ce n'est plus le cas. On est passé d'un pays de transit à un pays de production, puisque dans l'étude, il est relevé on est passé de statut de pays de transit à un pays de consommation, puisque ce qui est relevé aussi dans l'étude, c'est qu'à un moment donné, jusqu'à 2018, il y avait les wilayas de l'Ouest qui étaient concernées. Aujourd'hui, ça s'est propagé à toutes les wilayas. Exactement. Donc en 2018, on a remarqué que les wilayas concernées par ce type de hashish étaient des wilayas frontalières. 2020, pratiquement toutes les wilayas ont eu des saisies de ce type de hashish-là. Bien sûr, l'Algérie demeure toujours un pays de transit, mais il est indéniablement, incontestablement, un pays de consommation. D'où justement le risque de ce type de toxique vis-à-vis de notre société. Donc on passe d'un pays de transit à un pays également de consommation, en termes clairs, colonel Boumrah. Bien sûr, c'est un pays de consommation. Il n'y a pas de doute dessus, avec toutes les quantités acheminer de hashish envers notre territoire, incontestablement, il y a eu de la consommation ces dernières années de ce type de toxique. Et bien sûr, la société algérienne est habituée maintenant à voir ce type de toxique dans... Qui touche essentiellement les jeunes algériens. Vous avez parlé un peu des wilayas qui étaient concernées, c'était les wilayas un peu de l'ouest, les pays, c'est-à-dire les wilayas frontalières au Maroc, mais au nombre de saisies durant bien sûr l'année 2018, on trouve quand même qu'il y a eu des saisies qui ont été opérées dans la wilaya, par exemple de Msila, on parle aussi de la wilaya pratiquement de Bouira et d'autres wilayas. Ça veut dire que ça se propage rapidement à Naba aussi. Oui, bien sûr que ça se propage. Si on revoit la cartographie. En 2020, pratiquement toutes les wilayas ont eu ce type de saisie. Donc ça se propage vraiment rapidement. Alors, en termes de conclusion, et bien sûr, proposition pour lutter contre ce phénomène, qu'est-ce qu'il faudrait? Oui. Il faudrait d'abord être extrêmement vigilant au niveau de la population par rapport à ce produit. Exactement, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ce produit qui est toxique, qui n'est plus la drogue douce qu'on disait auparavant concernant le hashish marocain. C'est un genre de drogue qui est nouveau, donc qui est puissant, qui peut être assimilé facilement aux autres types de drogues qui sont la cocaïne ou l'héroïne, avec une forte dépendance. Donc, concernant justement la lutte, les consignes du haut commandement de l'armée nationale populaire sont claires là-dessus. Une lutte sans merci, une lutte efficace, une lutte continue contre les bandes, justement, les bandes de responsables de l'acheminement, mais aussi de la distribution de ces drogues-là au niveau de notre territoire national.
mais aussi au niveau des autres pays frontaliers, essentiellement les pays du Sahel, ce qui crée justement une instabilité et une insécurité dans cette région du monde. Donc, comme on le sait, il y a l'interconnexion qui existe justement entre ces bandes transfrontalières et les groupes terroristes activant dans cette région du monde. Alors, quand on parle de forte dépendance, puisqu'on parle aujourd'hui de plusieurs mesures qui sont prises aujourd'hui par les services de sécurité, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan sanitaire, et on parle de cette forte dépendance à ce type aujourd'hui de hashish hybride, la cible prioritaire de ces narcotrafiquants, c'est les jeunes, aux abords des écoles. La cible prioritaire de tout type de drogue, c'est les jeunes. Donc voilà, c'est pour cette raison-là qu'on lance un appel à nos concitoyens de faire vraiment attention. Le hashish n'est plus une drogue douce. C'est une drogue forte qui est aussi dangereuse que toutes les autres drogues qu'on dit drogue dure. Alors, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il va falloir renforcer encore le dispositif sécuritaire au niveau des frontières ouest? Et les frontières ouest sont aujourd'hui fermées. Comment opèrent les narcotrafiquants pour introduire ces drogues dans notre pays? Vous savez, je vais vous donner un exemple. Les États-Unis, qui est la plus grande puissance au monde, elle a toujours des soucis de trafic de drogue travers ses frontières, et ceci à cause de l'ingéniosité des trafiquants à chaque fois que des modes sont identifiés. Donc c'est la même chose chez nous, plusieurs modes d'acheminement de ces toxiques-là sont utilisés par les narcotrafiquants. On est là, les forces de sécurité sont là pour justement démanteler ces réseaux-là de distribution et d'acheminement de ces toxiques vers notre territoire national et de sécuriser au mieux les frontières, nos frontières, pas seulement ouest, mais toutes nos frontières. Alors, est-ce que les quantités, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que toutes les quantités qui sont saisies aujourd'hui sont détruites, et pourquoi on ne le fait pas et on ne le montre pas à la télévision? On montre bien sûr les opérations de saisie, mais on ne montre pas les opérations de destruction. Voilà, c'est une question importante, mais il faut savoir que toutes les saisies sont du ressort de la justice. Donc, le procureur de la République, c'est lui qui justement exerce ses pouvoirs pour la destruction justement des saisies de drogue par un PV, ou par un PV, ce qu'on appelle un PV de destruction, en présence de tous les acteurs activant dans le domaine de la lutte contre la drogue, y compris les services de sécurité. Alors vous avez parfois, par exemple, est-ce qu'il faut mettre en place, par exemple, des mécanismes de dénonciation de certains, par exemple, dealers qui vendent cette drogue à proximité des établissements scolaires? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes de dénonciation pour que les services de sécurité puissent agir et préserver, bien sûr, l'anonymat pour que la personne ne s'expose pas à des dangers ou de représailles de la part de ces dealers? Je pense qu'il faut aller vers ça, justement. Pour justement éradiquer ce phénomène-là, surtout aux abords des écoles, de nos écoles, par des mécanismes, comme l'a si bien dit l'auditeur, mais aussi en utilisant au mieux les chiffres, les numéros de téléphone, les numéros verts du commandant de la gendarmerie nationale, mais aussi de la police nationale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle énormément de ce hashish, bien sûr, hybride. Pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt, puisque l'étude a été engagée sur 2010 et 2020? Exactement. Il faut savoir que cette étude-là a été publiée au niveau international. C'est une étude qui n'est pas restée dans nos archives. Elle a été publiée au niveau international dans l'un des journaux les plus importants dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie. C'est un journal américain qui s'appelle Journal of Forensic Science. Il a été publié en 2020. Une bonne partie de cette étude-là a été publiée en 2020. La deuxième partie sera publiée justement incessamment dans le journal de l'ONUDC, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, responsable justement de la drogue. Le journal s'appelle le Bulletin of Narcotics. Pourquoi 2020? Tout simplement, l'étude a duré 10 ans. Et c'est maintenant que les résultats commencent à sortir, justement.
Alors, si vous parlez aujourd'hui, par exemple, de nombre de saisies qui ont été opérées par les services de sécurité, en l'occurrence la gendarmerie nationale à travers tout le territoire national, vous avez donné le chiffre, bien sûr, entre 2010 et 2020, c'est l'équivalent de 1000 tonnes. Est-ce qu'on peut considérer que les mêmes quantités ont été consommées ou introduites sur le marché national, ou elles ont transité par l'Algérie pour aller vers l'Europe, les pays de consommation? Pour vous répondre, je vous dirais que l'Espagne est le premier pays au monde qui saisit le plus de hashish. En deuxième position, on retrouve la France, et en troisième position, on retrouve l'Algérie. La consommation du hashish en Algérie n'est pas de cet ordre-là, de 1000 tonnes. C'est impossible. Il y a une forte consommation qui augmente d'année en année, mais les quantités, la plus grande partie de cette quantité saisie a été destinée justement à l'étranger. Mais quand vous parlez de l'interconnexion avec, bien sûr, certains réseaux de trafic à travers la région, vous parlez bien sûr de la région du Sahel, vous parlez bien sûr de la région de l'ouest du pays, bien sûr vers l'exportation au niveau de l'Europe. Ces interconnexions ont-elles permis aujourd'hui, au-delà bien sûr de la drogue, d'acheminer d'autres produits aussi dangereux. Quels sont les moyens aussi utilisés? C'est la mer, puisqu'on a vu des quantités parfois rejetées par la mer. Donc, en 2018, je vais revenir à l'étude justement, en 2018, on a remarqué l'apparition de ce type de hashish dans les régions frontalières. La cause, la raison est simple. Le mode de transport était le mode maritime. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on retrouvait la destination était l'Europe. Actuellement, le mode d'acheminement, c'est un mode terrestre, donc par voie terrestre. C'est pour cette raison qu'on voit ce type de hashish à travers toutes les wilayas du pays. Mais pourquoi le Maroc veut faire transiter sa drogue via l'Algérie? Tout simplement, c'est notre voisin. Voilà, donc on est juste à côté. L'Algérie est un grand pays, donc l'acheminement de la drogue vers la Libye ou la Tunisie ou d'autres pays vers l'Europe passe par l'Algérie ou par les pays du Sahel. C'est exactement ce qui se passe. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quand vous parlez bien sûr de ce hashish hybride, différent de ce qu'il a été consommé par le passé, puisqu'il a fortement changé par rapport à la consistance de ces substances qui sont extrêmement nocives sur la santé, comment le reconnaître par rapport à l'autre? Comment être prudent? Moi, étant spécialiste justement de la drogue, de l'analyse des drogues, je le reconnais facilement. Bien sûr. Mais vous êtes spécialiste, oui. C'est vous qui avez engagé l'étude au niveau du centre. En faisant l'analyse, ça se voit facilement, parce qu'on voit que le principe actif a une dose élevée. Mais pour les auditeurs, je dirais que le hashish de nouvelle génération ne se présente pas comme le hashish traditionnel, ne se présente pas sous forme de tablette, qu'on dit tablette de chocolat, mais les blips beaucoup plus mous, à cause justement de la présence de la résine, en abondance de la résine dans ce type de hashish. Donc on le retrouve beaucoup plus mou. Alors quand vous parlez aujourd'hui bien sûr des saisies qui sont tempérées, comment ces quantités arrivent à notre pays, vous avez cette autre question de l'auditeur, est-ce qu'on peut parler aussi de complicité? De complicité de qui? Écoutez, des gens, des autorités, des responsables, puisque même les saisies qui sont opérées, souvent ce sont des Algériens qui sont incriminés, qu'on nous montre. Tout simplement, les réseaux de trafic sont vastes. Il y a ce qu'on appelle les réseaux d'acheminement de la drogue. D'abord, du Maroc vers l'Algérie. Ensuite, en Algérie, il y a ce qu'on appelle des réseaux de distribution. À moyenne échelle, ce qu'on appelle les grossistes. Puis, à petite échelle, ce qu'on appelle les gens qui vendent ce type de drogue dans les quartiers. Donc, aux abords des écoles, aux abords pour des les écoles, jeunes. Voilà, c'est, bien sûr que c'est des Algériens. Alors, est-ce que
le cadre juridique doit suivre aujourd'hui cette évolution dangereuse d'inondation de notre société par cette drogue. Cette question de l'auditeur, c'est-à-dire est-ce qu'il faut renforcer encore les peines à l'égard, par exemple, des narcotrafiquants? Vous, sur le plan technique, vous avez élaboré votre étude. Est-ce que maintenant d'autres services, notamment la justice, devraient prendre en considération les conclusions de votre enquête de telle sorte à renforcer le dispositif législatif, puisque vous avez Zegmati qui s'est largement intervenu bien sûr sur cette menace multiforme marocaine par rapport à ce hashish hybride. Donc concernant les textes législatifs, je pense que l'Algérie dispose des textes législatifs les plus importants, les plus répressifs en matière de justement de trafic de drogue. Mais je dirais plus au niveau international qu'il faut que nos efforts doivent justement être renforcés à cause justement de ce type de hashish hybride. Donc il faut travailler plus envers les instances internationales, à savoir l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'Organe international de contrôle de stupéfiants, pour expliquer justement les résultats des études effectuées, les résultats des études scientifiques et réelles effectuées au niveau national. Vous êtes en train de le faire aujourd'hui, cette coopération, vous l'avez intensifiée de telle sorte à démontrer le danger. Par le biais de nos représentants nationaux à l'ONUDC, à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, à savoir les représentants de l'ONLDT, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, mais aussi des représentants du ministère de la Santé et des services de sécurité. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il est plus accessible, par exemple, d'avoir ce hashish ou ce cannabis hybride par rapport à d'autres produits circulant sur le marché, par exemple de la cocaïne, puisqu'on se souvient quand même qu'il y a eu une saisie importante de 700 kg, il y a de cela 4 ans, de cocaïne dans notre pays. Est-ce que c'est plus accessible? 700. Sur le plan du prix, hein, voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut le consommer plus facilement par rapport aux autres produits, si on parle des psychotropes, on a parlé de chétanin, etc., ou de cocaïne. Le cannabis, vous savez, c'est la drogue la plus répandue au monde, pas seulement en Algérie, à cause justement de son prix. Son accessibilité. Donc, bien sûr qu'il est beaucoup plus accessible que la cocaïne. Certes, ces dernières années, son prix a flambé à cause justement de ce nouveau hashish hybride qui est de très forte puissance. Donc, justement, je pense que c'est une bonne nouvelle que son prix a flambé. Est-ce qu'on peut parler des connexions entre, bien sûr, ces narcotrafiquants de drogue avec, bien sûr, des réseaux de trafic et, bien sûr, qui existent actuellement dans notre pays, par exemple, qui tentent aujourd'hui, par exemple, de faire acheminer des sub-africains vers l'Europe? Les interconnexions? Il y a des interconnexions. Parce que c'est la question de l'auditeur. Hein? Il y a des interconnexions entre l'immigration clandestine et le trafic de drogue. C'est tout simplement, c'est un moyen de financement. On parle un peu de la coque travaillée par, bien sûr, les sub-africains qui transitent par notre pays. Oui, il y a de la cocaïne qui transite via les pays subsahariens, mais ce n'est pas des grandes quantités de cocaïne. Ça, je vous l'assure, des quantités minimes, de l'ordre de 1 kg, 500 grammes, etc., etc. Pourtant, on a essayé de faire pénétrer dans notre pays les 700 kg de cocaïne. C'est une autre affaire, madame, monsieur. Le hashish, c'est une... Le plus grand, c'est bien sûr ce hashish hybride aujourd'hui. Oui, exactement. Le plus grand, c'est le hashish hybride, le hashish qui transite via le Maroc. Colonel Yassine Boumrah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.